Elle s'imagine toute petite, perdue au milieu de la ville, juste avec sa guitare et sa voix puissante au timbre profond. À 29 ans, Amy MacDonald est de retour avec un nouvel album, le quatrième de sa déjà longue carrière. Il y a 10 ans, ce titre l'a propulsée en haut des charts. Je suis plus vieille maintenant. J'ai plus de tatouages aussi. Mais je suis toujours la même personne qui aime se produire sur scène. Une poignée de privilégiés invités par une radio ont pu l'écouter la semaine dernière à Paris. Elle a repris ses titres phares, bien sûr, et présenté son nouveau titre, juste accompagné d'une guitare et d'un clavier. Je me sens bien en concert quand je l'écoute, et puis même quand j'écoute l'album chez moi, j'aime beaucoup sa voix. Les chansons sont les plus solides et les plus variées qu'elle ait fait depuis qu'elle a commencé, donc oui, c'est un super album. La chanteuse s'est donné une année pour écrire cet album et une autre pour l'enregistrer. J'ai vraiment pris le temps d'écrire et puis de retrouver une vie normale aussi. Chaque chanson est unique avec sa propre histoire. Amy MacDonald, écossaise, est attachée à ses racines. Elle signe là un album à l'accent folk réjouissant.